Présentez. Hop. Au champ. Samedi dernier, Sandrine Mortas est allée prendre son poste au sein du service d'ordre organisé pour les Jeux équestres mondiaux à Caen. Elle était heureuse. L'équitation était sa passion, qu'elle pratiquait régulièrement en compétition. Son autre passion était le service d'autrui, tâche à laquelle elle aura consacré toute sa vie professionnelle. Cette mission aux Jeux équestres mondiaux lui permettait de concilier les deux activités qu'elle aimait le plus au monde. Sa famille, ses collègues le savaient bien,
à qui Sandrine avait dit son nom de garçon. Personne n'aurait pu se douter qu'à la fin de cette journée, Sandrine serait grièvement blessée par un chauffard. Personne, ni ses collègues, ni elle-même, n'aurait pu imaginer un tel drame. Sa mort brutale est d'une révoltante injustice. Tombée en mission, Sandrine a été la victime de la bêtise criminelle, celle d'un conducteur ivre et multirécidiviste qui a été depuis interpellé puis placé en détention. Il revient désormais à la justice de faire son œuvre. Après avoir courageusement résisté, Sandrine nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi. Être policier, vous le savez tous ici, c'est exercer un métier noble, parfois au péril de sa propre vie. Nos concitoyens n'en ont pas toujours conscience, et le drame qui nous réunit aujourd'hui vient tristement nous le rappeler. Une vie de policier, malgré les difficultés rencontrées, malgré les drames affrontés, est une vie passée au service de la République, une vie passée tout entière au service des Français. Une vie faite d'abnégation et de sacrifices personnels au service des autres et de l'intérêt général. Romuald, Sylvie, Alain, Hugo, Lucie et Julie, et vous tous qui avez travaillé aux côtés de Sandrine, toutes mes pensées, tous mes sentiments sont pour vous. Je sais encore une fois combien le chagrin vous accable. Mais je sais aussi que nous étions tous réunis autour de vous avec une ambition, et une seule, désormais. Celle d'être à vos côtés, de vous entourer, de vous accompagner au fil des jours. Le dévouement de Sandrine Bortas restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs, et c'est avec émotion qu'aujourd'hui, au nom du gouvernement, je m'incline respectueusement devant sa mémoire. À vous. Présentez à lecture de la citation à l'ordre de la nation par Madame la directrice centrale adjointe de la sécurité publique. Le Premier ministre, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, cite à l'ordre de la nation Madame Sandrine Mortas, lieutenante de police affectée à la circonscription de sécurité publique d'Évreux. Policière dynamique, courageuse, d'une haute conscience professionnelle et d'un dévouement exemplaire, est décédée le 10 décembre 2014, victime du devoir dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Sandrine Mortas, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je vous décerne la médaille de la sécurité intérieure échelon or. Lieutenant Sandrine Mortas, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement, échelon or.
Lieutenant Sandrine Mortas, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur de la police nationale, échelon or.